Bonjour Félicie. Et bonjour Gustave. Oh, tu n'as pas l'air très joyeux aujourd'hui. Tu as perdu ton ballon. Oh, très bonne idée Félicie. Nous allons mener une enquête pour retrouver ce ballon. Gustave, commence. Où étais-tu quand tu l'as perdu? Tu penses l'avoir perdu par ici. Oh, tu es sur une piste, Félicie. Dis-moi, Gustave, que faisais-tu quand tu as perdu ton ballon? Oula, tu faisais l'acrobate. Ça ne m'étonne pas que le ballon soit tombé de ta poche. Et qui était avec toi? Donc, tu étais tout seul ici. Étrange, cette disparition. Que de questions. Mais oui, ces mots nous aident à construire des phrases interrogatives. Mais on peut aussi en faire sans les utiliser. Bon, continuons. Est-ce que ton ballon a roulé dans le terrier? Ou alors, ton ballon est-il tombé dans un trou de souris? Le ballon s'est envolé. Ah d'accord, tu te le demandes. Tu veux dire, le ballon s'est envolé? Tu entends? J'en fais une phrase interrogative. Il suffit de changer de ton. Mais au fait, Félicie, toi qui as un si long cou, tu ne vois pas le ballon de Gustave? Je pourrais aussi dire, tu vois le ballon? Vois-tu le ballon? Où? Est-ce que tu vois le ballon? Il y a plusieurs façons de construire la phrase interrogative. Oh, Félicie! Tu l'as trouvé? Hé! J'ai compris, Gustave! Tu as sauté tellement haut! Qu'en tombant de ta poche, ton ballon a atterri dans les branches. Fini les questions!